Salut les gars, c'est Ozzy, on se retrouve pour le 41e épisode d'Assassin's Creed Unity, le deuxième que nous faisons sur le DLC Dead Kings. Alors, vous allez sûrement constater que j'ai repris très rapidement la tenue de maître assassin d'Arnaud qui avait été fait par McFarlane, parce que déjà, je la préfère, franchement, à la tenue de maître assassin qu'on obtient en finissant Assassin's Creed Unity normal. Ça, c'est déjà la première chose. Et deuxièmement, je trouve que, avec sa teinte un peu marron, etc., assez sombre, ça colle vachement un peu à l'atmosphère là de Francia ou de Saint-Denis, en tout cas de là où nous sommes. Ça y colle beaucoup plus. Je suis coincé contre un pauvre paysan de merde. Je trouve que ça colle beaucoup plus au paysage. Donc, je pense que je ferai le let's play avec cette tenue. Enfin, la suite de ce let's play avec cette tenue. Alors là, je récupère juste de l'argent. Très bien. Et donc, il me faut rentrer dans l'abbaye. Qui est ici. Mais il y a des mecs qui gardent l'entrée. Donc, comme d'hab, on va passer par-dessus. D'accord, donc c'est bien Saint-Denis qui a été rebaptisé Franciade. Ok. Bon. On continue. On est toujours sur la même mission que lors de la vidéo précédente, hein, donc la mémoire 1 de la séquence 13. Alors, là il y a du monde. Les meurtres discrets, c'est vraiment on se fout derrière un truc et on en chope un. Là je vois pas trop qui je pourrais choper. Mince! Hé! De quoi t'as peur? Qu'est-ce que c'était? J'ai déjà tué une centaine de crétins dans ton genre! Mais c'est à nous, visitons les rêves! Hop! Où il a dû me voir, lui, non? Ah non, peut-être. Se cacherait-il? Non! Je vois pas, hein, les mecs, hein! Non, je me cache pas, hein! Où pourrais-je me cacher, voyons, de toute façon? Moi, je pensais que j'allais pouvoir sauter dans l'arbre! C'est quoi ce merdier? J'aurais pas pu l'assassiner, lui, d'ici? Bon, en même temps, je me serais fait repérer. Oui, de là, on peut pas en relancer. Oh! On n'est même pas vu là? Allez, bon déjà j'en ai fait un là. Allez, les deux, c'est fait. Hop! Et voilà! Un petit égorgement bon et due forme. C'est fait! Là, le mec, il me voit pas. C'est bizarre aussi. Bon, on va se tirer. Hein. Alors, je préfère gagner les hauteurs pour le moment. Je me dis. Ça, c'est plus facile. Oula, c'était quoi ce saut? Ah, je me dis, pour passer inaperçu, ce sera plus simple. Comme les meurtres discrets, je les ai faits. Ça y est. Comme ça. Alors, trouver la bibliothèque. J'ai trouvé la bibliothèque.
Et je dois aller atteindre ceci en particulier. Alors, il y a des mecs qui sont là. Ok. Je peux pas passer par les étages. Ah, genre une fenêtre ouverte dans le coin là. Non. Ah, merci. Bon. Alors, il y en a là-bas, on s'en fout un peu. Là, il y en a deux là-haut. Est-ce que je pourrais pas leur bazarder, voilà, par exemple, du gaz toxique? Et voilà! Bonne nuit, messieurs! Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites, vermine! D'où tu sors, toi? Allez, vous sortez! Comment tu m'as pas vu? Hop! 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 Voilà. Et en fait, écoutez, je suis en train de me dire, c'est là en bas en fait. Il faut que j'aille par là. Pourquoi je m'embête à... Pourquoi j'ai gâché un gaz toxique pour tuer ceux d'en haut? Et vous disiez rien! Hé hey, arrête-toi ou je vais te découper les jambes à la scie! Oh, tu m'as pas... Non, tu m'as pas vu? On peut pas se cacher derrière ça? Bon, hop. Voilà. Qui est devenu le trésor de ensuite, là. Bien sûr. C'est nous qui l'avons. Mieux que ça, il est toujours dans notre campement. Allez, viens. What? Bon. Pas très grave, dans la mesure où... Oh là 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 là. Quoi, ce petit tiroir à récupérer là? Bien! Cette fois-ci, on aura réussi à être à peu près discret. Oh, j'ai cru qu'il y avait rien. La liste de ton poirier. Elle dit que le manuscrit de Condorcet se trouve dans la vieille maison rouge. Il a ajouté un nom, Léon. La vieille maison rouge et Léon. Ah bah on va aller loin avec ça. Alors, s'emparer de la liste de... Hein, fuir l'abbaye. Et pourquoi tu m'emmènes vers là où il y a un max de monde? Hein, alors que j'ai nettoyé par ici. Ah, regardez les deux mecs, ils sont encore là. Ok, c'était pas franchement là que je voulais me mettre, mais... C'est pas grave. Parce qu'après tout, je devrais pouvoir quitter la zone, tout simplement en montant par là. Et l'affaire devrait être réglée. Quoi? Alors, petit coup sur là. Ah oui, bah non. pas franchement parlant en tout cas. Alors, bon. On en profite, on fait un petit aperçu sur la carte. Et on voit que bah, c'est beaucoup moins important que ce que n'était Paris. Hein, parce qu'il y a
bah, que trois quartiers, hein, que trois endroits avec un point d'observation. Et même dans chacun de ces choses, chacun de ces quartiers, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Hein. Des artefacts, quelques coffres, des coffres verrouillés, les bicornes de Bonaparte, et des coffres initiés, plus quelques marchands, et voilou. Il n'y a rien d'autre. Donc je pense qu'en plus, il n'y a pas de mission annexe. Auquel cas, donc, nous ferons très certainement le DLC très, très rapidement. La séquence 13 doit être une seule et même séquence, hein, je pense. Hein. Peut-être en un peu plus de mémoire que la plupart du temps. Mais je pense que c'est une seule et même séquence. Alors, je suis toujours dans ma zone non autorisée. Ah ouais, mais là aussi, ça va être non, là aussi, c'est non autorisé. Les gars... Ok, Cimer, c'est partout une zone non autorisée. Je passe par où, moi? Non, non, c'est pas vrai, tu m'as pas vu. Ah, oui, tiens, je suis en train de... Non, je le dirai pas, parce que de toute façon, ça, vous ne trouverez pas le rapport dans cette vidéo. Il y a quelque chose qui me revient, et je me suis dit, je vous ai pas dit, mais qui est loin d'être d'une importance cruciale, premièrement, et puis ensuite, voilà, c'est comme ça, dans cette vidéo, ça s'est beaucoup trop sorti du contexte. Non, vous m'avez pas vu. Bon, ok, vous m'avez vu. Bon, allez, venez danser alors. Aïe! Le coup de feu qui a pas fait plaisir. Parade! Olé! Et ouais, je t'ai stoppé. Je suis là? Pourquoi tu rengaines, Arnaud? Hop là. Vous devez fuir le secteur. Oui, merci, sans blague. Oh, je me suis taché. Ah non, c'est bon, en fait. Ok, bon, bah... Sortez. Voilà, on est sorti. Ouais, éviter toute situation de conflit, ça a été bien foiré. Enfin bref, on continue. Well. Alors, Arnaud, tout va bien ? Eh bien... Eh bien, nous en sommes à combien de temps de vidéo? Un petit 13 minutes. On va peut-être pas trop continuer, c'est peut-être pas énormément la peine. Ce que je vais peut-être juste faire, c'est récupérer ce coffre. Tout de même, parce que... Hello! Je suis qu'un tag. Il était tout seul? Il était tout seul en plus. Lamentable. Ah, en plus, c'est un coffre de niveau 1. Lamentable. Bien. Parce qu'on va faire encore un petit peu, histoire de quand même pas se quitter absolument tout de suite. Et on va se diriger vers la prochaine mission. Mais en allant prendre des... Ah, si, regardez, il y a des quêtes. Il y a des quêtes annexes. Les récits de Franciade. D'accord. Je pense pas que je vous les ferai. Parce que c'est certainement du même acabit que les récits parisiens. C'est peut-être pas la peine. Bon, écoutez, non, chers amis, parce que là, de toute façon, cette fin de vidéo va avoir aucun intérêt et je ne vais pas commencer la prochaine mission scénario. Alors que... Comment va mon ami? Bonjour mon ami. Ça risque de me prendre beaucoup trop longtemps aussi. Sur ce, je préfère vous laisser pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour devenir un guys si vous ne l'êtes pas encore et pour pouvoir suivre toutes mes autres vidéos que je fais sur la chaîne ainsi que ce let's play d'Assassin's Creed Unity sur le DLC Dead Kings. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour de nouvelles aventures.